Super, bravo. Et je vous demande d'accueillir maintenant Philippe Lafeuille. Bonjour Philippe Lafeuille. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Les tutus sont incroyables. Incroyable. C'est beau, hein. Ah, c'est magnifique. Oui. Un kilomètre de tutu, il y a dans le tulle. Un kilomètre de tulle. Ah, c'est incroyable. Bon, merci de revenir nous voir. Ben, vous nous avez porté chance. Hein. Ben, écoutez, tant mieux. En tout cas, la première télé. Il y a deux ans. Et chemin parcouru depuis ? C'est pas fini. Ah oui, non, ça ne fait que commencer. Alors, on a envie de se faire plaisir un moment inoubliable, regardez, en 2014. C'est drôle. Et ça aussi, c'est du tulle. Qui a créé ces costumes ? Elle s'appelle Corinne Petitpierre. C'est une artiste plasticienne avec qui je travaille depuis deux ans. Et voilà. C'est vraiment super. Là, l'idée, c'était, je cherchais le début, comment les hommes tutus. Donc voilà, on a fait des pantalons tutus. Au début, ils avaient tout le corps en tulle. C'était monstrueux. On aurait dit des casimirs. On enlève le haut. Voilà, on a travaillé. Et les costumes ont été faits avant de répéter. D'accord. En tout cas, votre spectacle fait du bien. C'est un très joli compliment qu'on peut vous faire. Parce que c'est vrai que ça... Comment on explique justement cette... C'est peut-être la contradiction entre homme et tutu, non ? Alors, c'est vrai que les temps sont un peu durs. Oui, c'est vrai. Donc je pense que de voir des beaux garçons avec du tulle qui font rire. Et avec beaucoup de talent aussi. Voilà, et un peu de légèreté, je pense que ça fait du bien. Après, évidemment, il y a ce travail de féminin, masculin, rire, poésie. Il y a plein de choses dans le spectacle. C'est un travail très graphique qui va bien au-delà de la danse, je trouve. Là, on est devant un spectacle qui est très créatif. On est... Pas seulement sur le corps, mais il y a aussi tous ces mouvements entre eux. Il y a des formes. Voilà, à la fin, c'est les planètes tutu. Je les ai recouvertes de tutu. C'est comme une installation, je trouve. Non, mais c'est vrai. Ça se rapproche de l'art contemporain. Vous avez créé la compagnie, cette compagnie de danse, il y a 22 ans, n'est-ce pas ? Et en fait, c'est l'humour qui a... L'humour est assez rare dans la danse. Parce que la danse, c'est sacré. C'est dur aussi. Pendant des années, il faut forger le corps. Alors après, on rigole pas. Pendant des années, on se fait mal. Et voilà. Et après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'humour. Il y a des danseurs qui ne veulent pas faire tutu. Il y a des gens qui n'ont pas d'humour. Et pourquoi ? Parce qu'ils trouvent que ça... Parce que moi, je fais tout sur Pina Bausch dans le spectacle et on ne touche pas. Une icône, on ne touche pas aussi. Et moi, c'est bienveillant. Je suis un fan de Pina Bausch. Mais il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Et non. Je dis qu'on peut rire de tout, sauf ça dépend avec qui. Ce qui est intéressant, c'est ce travail justement sur l'humour dans la danse. En fait, quand il y a des danseurs qui voient le spectacle, ils disent « Oh, mais c'est facile !»
trois pas de danse et on fait... En fait, non, c'est très compliqué parce qu'il y a la chorégraphie, il faut être un peu acteur. Ben oui. L'humour est une horlogerie qui doit être très bien réglée. Un gars qui tombe pas bien, et ben, ça fait plof. C'est assez complexe. Oui. Et comment vous les recrutez, justement? Vous les prenez, son berceau, danseur. Au berceau, et après je les... Ah, vous les formez, vous les forgez, vous les... Non, je fais des auditions, et puis voilà. Alors généralement, des danseurs, on en trouve, des bons danseurs, il y en a plein. Après, c'est avoir un danseur qui a ce grain de folie. Il y a moins de travail pour les danseurs que pour les danseuses, paradoxalement. Il y a moins de travail pour les danseurs que... Ben, il y a moins de garçons que de filles. Oui, donc en fait, non, il y a plus de... Il y a plus... Ben, il y a moins de garçons que de filles. On prenait toutes les revues, par exemple, il y a surtout beaucoup de filles, de danseuses. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les revues, il n'y avait pas plus de mecs. Parce que généralement, c'est des dames qui vont voir les revues. Donc elles ont besoin de voir aussi des jolis messieurs. Mais ça, c'est, ça vient de longue tradition. Ça vient de longue tradition. Vous êtes des danseurs français ou vous ouvrez le casting Moi, j'ouvre à tout le monde. Moi, je suis, mais moi, c'est peut-être qu'il essaie de décloisonner la danse et de l'amener vers le grand public. Donc, l'humour est la meilleure. Ce que j'adore, c'est votre parcours, Philippe, parce que votre parcours est intéressant. Vous avez dansé avec les plus grands, vous. Ben, j'ai fait un peu de... Nourieff, de Nourieff à Madonna. Là, c'est assez large, quand même. Comme, oui, un jour, j'étais sur mon répondeur, on m'a dit de part au Festival de Cannes pour danser avec Madonna. J'écoutais, à l'époque, il y avait des répondeurs, il n'y avait pas de... J'ai écouté 28 fois mon message, oui. Ah, oui. Ben, c'est, moi, j'ai toujours... Je me suis dit, il faut faire plein de choses. Un artiste doit être multiple. Moi, ça, dans ce classique, je savais que ce n'était pas mon truc, parce que le prince, ce n'était pas du tout mon truc, du Lac des Cygnes. Mais j'ai toujours... Et puis, voilà, moi, je suis quelqu'un qui voit le verre à moitié plein. Donc je suis plutôt de dire... Mais la danse, elle vous accompagne depuis l'enfance? Je voulais être marionnettiste au départ. Ah oui, c'est dire, bon, il y en a un peu dans le spectacle, j'ai réussi à en mettre. Mmh. Le corps est marionnette dans le spectacle. Et un jour, j'ai vu un spectacle de Béjart et j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. Elle n'était pas contente du tout parce qu'elle était instite, mais... Elle voulait que je fasse... Oui, vous avez imposé vos choix. Mais j'ai bossé comme un dingue. Il y a 18 ans, première audition, j'ai été pris et depuis, ça n'a pas arrêté. Mais votre travail va quand même assez en contre-courant de ce qu'on voit dans la danse contemporaine où souvent le costume est vraiment... On l'oublie complètement. Il y a dans le spectacle. Ils sont tous en gris, on sourit à un moment. C'est le petit moment danse contemporaine. J'essaye. Mais c'est, moi, je l'ai fait. Je me moque de moi-même dans le spectacle. Ils se moquent d'eux-mêmes. Ils ont un regard. Il faut, à un moment, il faut un peu... Mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Exactement. Il faut faire son travail sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. C'est un travail très sérieux, mais il faut un moment... Et alors, vous êtes actuellement au Théâtre Bobineau. Et vous la deuxième saison. Non, c'était la 200e. Voilà, jusqu'au 30 juin, je le dis. Ensuite, vous entamez une tournée à Barcelone, une ville que vous connaissez bien. Tout à l'heure, je pars à Valence faire une conférence de presse parce qu'on va à Valence, en Espagne avant, après Barcelone. Barcelone, une ville où vous avez créé votre compagnie. Exactement, le retour aux sources. Et, oui, et ensuite, vous allez au festival Juste pour rire à Montréal. C'est au mois de juillet. Et en septembre, vous allez, je crois... à New York. On essaye de passer, oui, parce qu'il y a des gens là-bas qui sont... Il y a Trocadéro, déjà, qui fait une... Non, vous n'aimez pas? Non, mais le monsieur, le monsieur du Trocadéro, il n'est pas très content qu'on soit là. Il semblerait qu'on lui prend la place. Il a un peu râlé, alors... Ah oui? Eux, ils font que de la danse classique. Ils reprennent les grandes chorégraphies classiques. Et il est d'une manière drôle. Moi, je ne fais pas ça. Je crée vraiment des choses... Oui. C'est plus large que la danse, mais il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, surtout exactement. À New York. Eux, ils viennent beaucoup ici. Nous, on n'est jamais allé là-bas. Ah bah alors, envie de lui dire. Un échange culturel. Allez, nous, on soutient Tutu et Philippe Lafeuille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci. C'est superbe. Et vous féliciterez la costumière parce que les tutus. Corinne Petitpierre. Ah, formidable. Regardez sur Internet, ils font des choses merveilleuses. Et bien, en tout cas, voilà, c'est un spectacle Tutu qui fait du bien. Ça vous fera rire et en même temps, c'est un très beau travail de danse. Et de chorégraphie incroyable. Merci Philippe Lafeuille. Merci à vous. Voilà, comment ça va bien? C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. On se retrouve tous lundi. Mais on va se quitter avec une dernière surprise sur le plateau. Les Chicos Mambo pour un nouvel extrait du spectacle Tutu. Merci à tous, à lundi.